Bonsoir mes chers amis, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les soirs. Bonsoir les Gilets jaunes, bonsoir les Gaulois, bonsoir les esclaves, bonsoir les cinglés, bonsoir tous les peuples. Nous devons être solidaires et unis. D'ailleurs, comme je l'ai euh, publié aujourd'hui, il faut absolument être solidaire du peuple anglais qui euh, va se faire euh, trucider par la finance, euh, par ceux qui nous tiennent, euh, dès que euh, dès que le Brexit euh, aura lieu, c'est ce qui est prévu pour les punir et aussi pour nous faire peur à tous les autres peuples pour ne jamais euh, faire de même. C'est d'ailleurs euh, une leçon qui est réitéré à maintes reprises dans l'histoire. En crucifie ceux qui ont osé lever la tête, ceux qui ont osé se rebeller contre les systèmes, pour en faire un exemple et pour que ça ne se reproduise pas. Donc, il faut en être très très solidaire. C'est euh, C'est ce qu'avait espéré euh, François Hollande sous son règne euh, pour justement inverser euh, sa courbe du chômage. Parce qu'effectivement, euh, il y a un mouvement euh, spectaculaire, massi massif, de réorganisation des entreprises dans euh, Paris et aux alentours. Mais pas que, mais surtout, il y a un mouvement massif de d'entreprises, de, de, de sièges, de capitaux, vers Paris. Euh, voilà il ne faut pas avoir le profit derrière, mes chers amis. il faut être solidaire des autres peuples, nous avons besoin de tous les peuples. Donc si jamais euh, il doit y avoir Brexit, eh bien il faudra là je parle au nom de, de la France, en tant que Français, il faudra obligatoirement un Frexit par solidarité. Et bon, bah, si nos amis, le peuple allemand, le peuple belge et les autres peuples européens font de même, euh, je pense qu'on arrivera euh, à les obliger à la modifier, cette Europe. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans l'Europe, effectivement. Il y a une majorité de mauvaises choses. Mais il y a certaines choses qu'il faut garder, comme cette protection permanente contre les GAFA, les, euh, les Google, les Facebook, euh, avec leur intrusion dans notre vie. C'est vrai que l'Europe, de ce point de vue-là, nous a euh, pas mal protégés, elle a infligé, elle a tenté de punir ses entreprises elle a infligé des amendes colossales visiblement euh, l'Europe n'est rien face, à, face au, au GAFA pourquoi je dis ça parce que euh, il y a une loi par exemple très intéressante que pour ceux qui ne la connaissent pas c'est une loi européenne du 17 mai 2018 euh, qu'on peut appeler euh, la loi du demande de consentement. Alors mis à part le fait que là euh, à chaque fois que vous allez sur le site, les sites internet, on vous demande systématiquement est-ce que vous êtes d'accord pour l'utilisation des cookies. Les cookies, sachez-le, ça vous espionne pour vous envoyer après des pubs thématiques avec vos euh, avec votre comportement. Hmm. Euh, ça c'est bien. Et donc cette loi dont je vous parle, qui est entrée en vigueur le 17 mai 2018, euh, oblige les entreprises, peu importe le moyen euh, avec lequel vous entrez en contact, à vous demander, avant même signature de n'importe quel contrat, de, euh, de spécifier si vous êtes d'accord ou pas pour recevoir les SMS, les mails, les appels téléphoniques, pour euh, que ce soit les nouveautés de la marque, les promotions, les, les informations, ou alors juste les informations techniques concernant votre produit, euh, ceci n'existait pas avant et nous sommes tous harcelés par les appels téléphoniques, euh, pas uniquement de vendeurs de fenêtres, hein, mais euh, c'est un, un, har un harcèlement permanent. Donc cette loi, et de ce point de vue-là, on ne peut que l'applaudir, parce que si jamais une entreprise à l'avenir euh, vous contacte, alors que vous avez passé votre temps à refuser d'être démarché à chaque fois que vous signez un contrat avec une entreprise, eh bien euh, cette entreprise ne pourra pas le faire longtemps parce qu'elle sera euh, en dehors de la loi. C'est fini bientôt. Hein les listings euh, marketing où euh, du matin au soir euh, il y a des esclaves qui appellent à tout va pour vendre n'importe quoi alors moi je l'ai constaté parce que j'ai voulu faire la révision de ma voiture et euh, je, au téléphone je n'ai pas pu faire autrement que de répondre à ce euh, de questionnaire qu'on reçoit par SMS parce que sinon euh, le garagiste est bloqué dans sa procédure, il ne peut pas avancer dans la prise de rendez-vous. Alors sur le coup ça m'a embêté, mais quand j'ai regardé donc le lien envoyé par SMS, que j'ai vu que je pouvais désactiver toutes les newsletters, les, euh, les moyens de contact euh, publicitaire alors j'ai trouvé ça et qui ne peut pas penser que moi j'ai trouvé ça formidable alors il faudrait que parce que là ça date du 17 mai 2018 cette entreprise là euh, l'a déjà mis en place voilà il faudrait que le mouvement euh, suive et s'accélère alors un mot euh, Avant de revenir à nos moutons, donc sur la suite de, du live d'hier, la partie 2, j'aimerais euh, juste euh, tirer encore un carton rouge aux merdia Et là, sur ce coup-là, vu que les merdias euh, reçoivent leur information. Euh, du gouvernement, un carton rouge au gouvernement, euh, concernant donc euh, leur comportement face euh, à la révolte des esclaves, c'est-à-dire les Gilets jaunes. Alors regardez, euh, tellement ils manipulent et ils mentent, c'est qu'ils se font pincer régulièrement et ça en devient euh, plus que risible. Regardez ça. Donc vous reconnaissez ces news. Là on était donc en plein acte 20. Peut-être que à première vue vous, vous ne voyez rien d'anormal. Mais si vous regardez de près, il y a d'après eux à 14h 1800 euh, manifestants à Paris. Et dans le même temps, on nous dit que toujours à Paris il y a eu 8053 contrôles préventifs. Ce qui ne colle pas. Comment ont-ils pu euh, contrôler 8053 personnes à Paris et en recenser dans le même temps 1800 Ça en devient euh, plus que risible. Allez, on va revenir à la suite. Donc, où est-ce que j'en étais hier Alors, oui, je vous avais parlé euh, de l'origine, cet endroit géographique qu'on nous, qu nous dit s'appelait la Terre Sainte, que tout le monde semble vouloir... Euh, vouloir récupérer vouloir partager alors j'ai trouvé une carte voilà je vous la mets à l'écran donc euh, vous voyez, Babylone est ici. Alors, que tous ceux qui vous disent que ça n'a pas existé, sachez que c'est encore une fois euh, une manœuvre pour vous éloigner de la vérité. Bien sûr que Babylone et la civilisation babylonienne a vraiment existé. Et donc ensuite, vous voyez la propagation qu'il y a eu la propagation de, euh, de civilisation et de, entre guillemets, hein, pas dans le mauvais sens, euh, de contamination. Donc petit à petit, vous voyez, ça s'est étendu de cette manière. Et vous notez, très important, l'Égypte. L'Égypte et la civilisation égyptienne est fondamentale. Vous remarquez ici la civilisation grecque, la Grèce antique. D'accord Donc ici, c'est ce qui est, euh, est, est aujourd'hui la Turquie. Et la Turquie est une grande, grande civilisation c'est la civilisation ottomane, l'empire ottoman, qui a, successivement aux autres civilisations, aux autres empires, conquis les mêmes territoires. c'est le bassin, il a conquis le bassin méditerranéen, euh, que ce soit en europe ou en afrique, avec bien entendu toute cette partie là, que tout le monde se dispute, jérusalem, etc. Donc voilà, c'est une, une superposition, vous le remarquez, c'est ce que je vous disais hier, c'est une superposition de civilisations au final. On s'est toujours battu pour le même bout de territoire. Et euh, pourquoi Tout simplement parce qu'à l'époque, euh, c'est tout ce qu'on voyait. Hein, au début, on voyait juste cet endroit-là, ce qui ne veut pas dire que euh, d'autres endroits de la Terre n'étaient pas peuplés. Euh, les Amériques étaient peuplées hein, par euh, la civilisation euh... alors je regarde mes notes pour pas dire n'importe quoi voilà donc l'une des Première civilisation, c'est les civilisations précolombiennes. On connaît aussi la civilisation Maya et d'autres. En Asie, il y avait plein de civilisations, la plus, euh, on va dire, la plus étendue desquelles est celle qui a failli conquérir la planète, c'est la civilisation mongole. Euh, le mot Genesis. Genesis, vous l'avez peut-être juste euh, connu euh, grâce aux chansons, mais euh, Genesis Khan était un très très grand euh, empereur, euh, extrêmement euh, fin stratège. Il faut le savoir. Donc voilà, en Asie, euh, la dernière dynastie donc euh, connue est la dynastie Qin. En Inde, il y a eu une grande dynastie Chola au sud de l'Inde et euh, une dynastie Kushan au nord de l'Inde. Donc il y a eu euh, plein d'autres civilisations qui ont bien avancé de leur côté. Mais là, nous vivons euh, actuellement la civilisation euh, occidentale et orientale, en tout cas dans notre partie du globe, et en tout cas c'est ces civilisations-là qui se disputent cet endroit qu'ils disent euh, sacré, avec donc Jérusalem, euh, cette partie de, de l'Irak autour de Babylone, l'ancienne Babylone. Et aussi, euh, il y a un intérêt, un intérêt très fort pour, euh, pas uniquement les pyramides de Gizeh, mais cet endroit euh, où. Euh, prospérer donc euh, les pharaons et la civilisation égyptienne. Sans parler de la Grèce, bien entendu, vous voyez bien que malgré tous les déboires économiques de la Grèce, euh, l'Europe ne veut pas entendre parler d'une Europe sans Grèce. Donc ce que je vous avais dit hier, c'est que ce qui est préparé, c'est encore une fois, en euh, efface et on recommence à zéro, et Néom, et quelque part par ici, Néom, qu'ils ont créé cette ville futuriste, euh, qui a nécessité l'équivalent de 500 milliards de dollars, 500 milliards de dollars, une, une ville totalement euh, gérée par l'intelligence artificielle. Et dans laquelle il y aura des, euh, des robots très avancés. Euh, il y a eu une présentation euh, d'un humanoïde, parce qu on qu'on peut les appeler comme ça, ils ressemblent à des humains. Ils sont très avancés, hein, ce pas du tout que ce qu'on vous montre comme euh, robot euh, au Japon, le robot blanc qui sait pas faire grand-chose. Non, là, ils sont très avancés, dotés d'intelligence artificielle. Et donc, euh, il y a une humanoïde qui a été présentée il y a quelques années et qui a eu la nationalité euh, saoudienne. C'était donc la première du genre à, à avoir une nationalité. Et bien entendu, le prince saoudien, qui a payé toute cette fortune, euh, explique et promet que ce euh, néum, cette ville futuriste, qui est très très grande, euh, n'obéira pas aux lois saoudiennes et qu'elle qu gérera, qu'elle sera totalement autonome. On peut comparer avec des, des, plein de localités autonomes dans le monde, plus ou moins, euh, comme par exemple Monaco euh, ou d'autres. Et donc voilà, ce qui est promis, c'est que cette ville euh, aura ses propres lois. Et bien entendu, sera géré par l'intelligence artificielle. Donc, euh, ensuite, euh, comme je vous ai dit, les civilisations euh, tendent vers l'invisible. Plus elles s'améliorent et plus euh, euh, les barrières euh, diminuent, les boutons disparaissent, euh, les fils euh, deviennent invisibles, et donc cette logique est euh, vraie aussi pour le côté spirituel, parce que euh, plein de cultures ne sont pas éteintes, comme on vous le dit, elles ont été préservées, mais de manière secrète, par crainte d'être euh, anéanties, exterminées, mais aussi euh, pour garder euh, leur pouvoir donc on vous met en avant des euh, des pantins ceux que vous voyez défiler dans les merdias ceux que vous voyez se faire élire mais ceux qui tirent les ficelles c'est euh, c'est ceux les lignées qui ont dominé euh, auparavant et qui se euh, côtoient plusieurs familles qui se côtoient et qui se euh, on va dire qui s'affrontent euh, de manière invisible de manière secrète donc euh, euh, parmi ces lignées il y a eu plein de déplacements plein de mutations donc il y a un lien fort entre l'Egypte et euh, l'Égypte antique et la Grèce antique et euh, Babylone euh, et donc avec Jérusalem. Donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes gens au final. Ensuite, donc ma, euh, malgré ce qu'on vous a appris. Malgré ce qu'on vous a appris, euh, ça ne s'est pas passé exactement comme on vous l'a appris par rapport par rapport aux Gaulois. Pardon. Donc il y a une époque très importante, c'est cette période charnière euh, d'à peu près trois siècles avant Jésus-Christ, avant l'arrivée de Jésus, et cette période s'appelle l'époque hellénistique. Alors ici, regardez, Gaulois blessé de Délos, thème apparu dans la statutaire grecque à la suite de la victoire de Datal Ier de Pergame sur les Gaulois en 237 avant Jésus-Christ. Catal premier, il n'était pas euh, un, un empereur romain, il était grec. En tout cas, c'est les Grecs qui ont euh, battu les Gaulois. Euh, donc il y a eu une énorme transition avec la mort d'Alexandre le Grand, donc, et de la reine d'Égypte Cléopâtre. Et c'est ensuite que euh, la domination romaine a pris place. Donc, vous voyez ces transitions. Si on suit comme ça, euh, on, on pense que euh, au final, c'est des civilisations qui, euh, qui se battent entre elles pour, au final, euh, à chaque fois une nouvelle civilisation qui prend le dessus sur les sur la précédente mais si on a une autre lecture, on peut y voir toujours les mêmes gens qui tirent les ficelles parce qu'au final, je n'arrête pas de vous le dire, plein de personnages célèbres dans notre histoire euh, se sont tout simplement volatilisés une fois qu'ils ont perdu, ils se sont volatilisés. Donc ces, euh, ces mutations permanentes de civilisation euh, ont beaucoup d'intérêt. Non seulement pour maintenir, alors là ça n'a jamais changé, les peuples dans un esclavage euh, permanent, ça ça n'a jamais varié. Euh, mais aussi pour pouvoir faire avancer la civilisation. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Pour faire avancer la civilisation, vous arrivez à un certain moment sur le territoire, vous ne pouvez plus avancer avec les infrastructures créées il y a 1000 ans, 2000 ans, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde occidental. Il faut, il n'y a pas d'autre manière. Il faut détruire et construire. Il n'y a pas d'autre façon. C'est assez compréhensible. Sauf que euh, la façon à chaque fois dont ceci euh, a lieu, c'est euh, de la même façon que tous les livres saints le, le rappellent, que les, les codages dans les tableaux, que les récits le rappellent, que les... Tout ce qui est euh, récit d'apôtres euh, ou, ou les hadiths, et etc., c'est que ça se termine toujours par une grande apocalypse, ou alors, euh, enfin, c'est toujours de la même manière, hein, d'une manière spectaculaire, avec un, un, un Messie qui vient affranchir les esclaves, et puis hop, ça recommence d'un autre côté. Euh, Voilà, c'est ça qui, qui pose problème. Effectivement, comment voulez-vous faire entrer dans la tête de toutes les personnes qui sont aujourd'hui propriétaires Par exemple, je prends comme exemple Paris. Paris, qui est une ville, vous ne le voyez pas parce que vous voyez les belles lumières, les, les, les belles façades haussmanniennes. Mais Paris est une ville en extrême, en extrême mauvais état. Euh, je peux vous en parler pour avoir travaillé longtemps dans le métro parisien en tant que conducteur de métro euh, c'est infiltré de partout euh, on ne sait plus comment comment parer à ça euh, c'est euh, comme quand vous, vous avez un bateau qui coule et que vous euh, à chaque fois qu'il y a une fuite vous vous, vous, vous collez un sparadrap je vous assure que le métro parisien c'est la même chose. Les bâtiments parisiens c'est pareil. Je ne vous parle pas des nouvelles constructions, et puis on n'a pas tellement. Mais Les vieux bâtiments haussmanniens, à chaque fois, on fait juste les façades, donc ça fait propre de l'extérieur, mais les structures sont dans un état calamiteux. Et euh, vous pouvez le constater lorsque vous y habitez. C'est une catastrophe au niveau de l'insonorisation. C'est une catastrophe. Vous entendez les voisins marcher, et on vous entend marcher. Et à l'extérieur, c'est pareil. Le bruit est infernal. Alors, il y a eu de double vitrage, etc. Mais on arrive à limite. Pareil, il y a eu un mouvement massif Donc, de... qui a été imposé de construire des ascenseurs. Allez voir certains ascenseurs. Euh, je, vous, je vous assure, vous pouvez monter qu'à une personne et c'est une tombe. Je ne vous souhaite pas d'être coincé dans un ascenseur pareil. Donc voilà, ça c'est pour vous parler juste de Paris. Euh, donc, dans l'histoire, il y a eu plein de déplacements. Là, si on parle juste de capitale, euh, pour aller. Ok, vous êtes toujours là. Pour aller rapidement, euh, je vais vous donner un exemple. Par exemple, euh, en Russie, eh bien, euh, Ru euh, Moscou a été créé en 1150 comme appui militaire euh, suite aux invasions mongoles. On parle des Mongols, qui, qui étaient une, une, une énormissime civilisation sur tous les plans militaires et extrêmement bon en stratégie. Gen Ziskan, et Kubaïli aussi et euh, mais aussi euh, spirituellement parlant ils étaient très élevés spirituellement parlant euh, donc moscou euh, a été créé en 1150 et a pris le relais euh, de kiev Vous voyez euh, l'Empire russe n'a pas toujours eu pour capitale moscou Ensuite, après Moscou, euh, ça a été Saint-Pétersbourg au début du XVIIIe siècle qui a qui est devenu la capitale de l'Empire russe. Ensuite, il y a eu la Révolution d'octobre de 1917, la Révolution d'octobre de 1917 qui l'a du coup à redonner le rôle de capitale à Moscou. Et ensuite, la deuxième guerre mondiale, on sait ce qui est arrivé à plein de, de villes russes euh, côté euh, côté ouest, côté otan comme Stalingrad. Saint-Pétersbourg aussi. Hein. Et donc, c'est là où Moscou, vu son emplacement surtout, a été définitivement choisi comme capitale et a connu une spectaculaire croissance économique et démographique. Je crois que là, aujourd'hui, Moscou euh, compte 12 millions d'habitants. Et c'est vraiment une capitale, une ville magnifique, magnifique, avec un métro très célèbre. Voilà, ça c'est pour parler, par exemple, de Moscou. On peut, vous pouvez regarder toutes les capitales, vous verrez qu'il y a eu toujours ce mouvement de va-et-vient. Euh, et si ce n'est, euh, il y a des pays où on vous dit carrément qu'il y a deux capitales, une. Euh, historique et une économique. Tel Aviv et Jérusalem, euh Ankara et Istanbul, et vous avez plein d'exemples comme ça de double capital. Vous avez d'autres pays, comme la France, où on ne parle pas de double capital. Comme plein d'autres pays, hein, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre. Comme, comme Alors, l'Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez vu, pendant la guerre mondiale, Londres a été totalement rasé par les bombardements allemands. Donc forcément, il n'y a, a pas besoin de déplacer qui que ce soit. On a reconstruit à neuf. Sauf que maintenant, ça commence à dater. Dans l'Antiquité, Rome elle-même aurait été détruite par, par un volcan. Donc c'est euh, à chaque fois il y a des événements spectaculaires pour détruire des euh, des capitales, ce qui permet effectivement de faire de magnifiques euh, capitales. Euh, de magnifiques reconstructions à neuf d'infrastructures et qui suivent la technologie moderne. Une fois qu'on arrive à saturation euh, au niveau euh, installation par rapport aux avancées technologiques. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Ça, ça devient euh, infernal de passer des fibres optiques, de... De, de, de moderniser les installations par rapport au ramassage des ordures. Euh, regardez la circulation dans Paris, regardez, tout devient infernal. Donc, on a les capitales déplacées, comme je vous ai dit. On peut citer, si on veut parler de la France, Le jeu, euh, le jeu de va et vaille, devient. Vaille de Regardez. Euh, il y a le château de Versailles qui a été construit en 1623 et agrandi en 1661. Allez voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, le château de Versailles. Allez faire une visite. Vous verrez comment vous êtes euh, écrasé par la masse de visiteurs, de touristes. Particulièrement, ils aiment beaucoup euh, notre pays. Les touristes d'origine asiatique, ils ont une fascination pour Versailles et les châteaux français. Mais c'est infernal parce que euh, il faut entrer un sacré euh, nombre de demandes en même temps. Et ce n'est pas vous qui vous déplacez pour regarder euh, les pièces successives, parce que c'est vaste, c'est la foule qui vous déplace, tellement il y a demande en même temps. Alors, est-ce que vous trouvez ça euh, logique euh, que ce château a été construit en 1623, agrandi en 1661, et que la dalle, ce qui est là, vous, quand vous baladez, vous êtes au premier étage, ou sinon un, un autre étage, et que la dalle, elle tienne tous les jours avec ce rythme-là, avec autant de monde, sans parler des, des, du mobilier, des sculptures. C'est impossible. De la même manière, vous pouvez raisonner sur toutes les autres civilisations sur les pyramides, comme sur euh, plein de monuments que vous connaissez, la tour de Pise, etc. Tout simplement parce que euh, la restauration, c'est un métier, et c'est un métier secret. Euh, les châteaux sont en permanence modifiés, rafistolés, voire des fois ils ont été détruits, mais on nous dit non, non, mais là on va le reconstruire. Mais euh, vous verrez à l'identique, regardez comment c'est scru euh, respecté scrupuleusement, comment on a, on a trouvé tous les plans d'époque, les écrits, etc. C'est identique, c'est un clone. Voilà, ça, on ne peut jamais faire à l'identique, jamais. En tout cas, on va jamais utiliser euh, une technologie ancienne pour... Euh, pour invincer une technologie moderne. Sachant que le but c'est que ça tienne un maximum de temps. Donc voilà, tout est modifié, mais vous ne le saurez jamais. Il y a des, en permanence, en, en Égypte, soi-disant, quand on fait des fouilles, on cherche toujours des trésors cachés, mais c'est une permanente restauration, et pas uniquement là-bas, partout. Euh, le Louvre a été la résidence royale. Donc, on, il a été construit en 1793, a été la résidence royale parisienne euh, avant l'Élysée. C'est d'ailleurs pourquoi ça s'appelle les Champs-Élysées, parce que vous voyez le tracé vous partez de, du Louvre, après ça fait une ligne droite, vous passez par la Concorde. Vous traversez les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ensuite, vous redescendez l'avenue de la Grande Armée de l'autre côté. Vous arrivez à Porte Maillot. Là, vous continuez tout droit. Vous sortez de Paris. Vous entrez dans Neuilly-sur-Seine. Et ça reste une ligne droite qui vous emmène droit sur la défense, la, le centre d'affaires donc français, qui n'est pas une ville parce que c'est construit à cheval sur deux villes courbevoie et plutôt c'est ce qui explique leur richesse à ces deux villes là parce que elles, 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 retirent, elles tirent beaucoup de revenus de, des entreprises qui sont installées euh, euh, pour moitié sur le territoire de l'une pour moitié sur le territoire de l'autre mais tout ceci pour vous dire qu'à la défense vous continuez la ligne droite et vous trouvez la grande arche de la défense si vous regardez, c'est tout droit. Le Louvre, la pyramide du Louvre, l'obélisque de, de la Concorde. On nous dit qu'elle vient, qu'elle est véridique, qu'elle vient d'Égypte euh, par bateau, euh, il y a plusieurs siècles. Bon. Ensuite, vous remarquez que les obélisques, on les trouve, on en trouve partout, on en trouve aussi... Euh, Derrière le Capitole euh, aux États-Unis. Il y a des choses comme ça euh, reproduites. Ensuite, vous trouvez donc l'art de triomphe. Ensuite, vous trouvez le si on accélère la grande arche de la défense. Euh, et donc l'Elysée en tant que tel, tel que nous le connaissons aujourd'hui, le palais de l'Elysée, euh, et n'est que depuis 1873 la résidence officielle donc des présidents et à la base l'Elysée est un ancien hôtel particulier qui a été construit en 1718, 1718. et vous voyez à chaque fois qu'il y a un président qui arrive à l'Elysée les travaux pharaoniques qui sont faits dans l'Elysée. Alors pourquoi l'Elysée Pas ailleurs. Tout simplement parce que on ne vous le dit pas. Pour ailleurs. Donc voilà, vous visitez euh, les journées du patrimoine, vous visitez des monuments qui sont euh, entre guillemets truqués, tout simplement. Alors, donc je vous ai parlé de Neom en Arabie saoudite, mais il y a aussi plein de villes euh, euh, qui, qui sont ont été créées qui sont très modernes comme Astana pour ne citer qu'elle Astana au Kazakhstan bon bah ben, c'est des villes modernes qui n'attendent que les capitaux et les entreprises et les esclaves donc il y a les capitales euh, détruites reconstruites à neuf les capitales déplacées par un mouvement de va-et-vient je vais dans cette capitale, ensuite je reviens à l'autre, comme je vous ai montré avec Moscou. Il y a euh, les doubles capitales, aujourd'hui il y a plein de pays qui ont des doubles capitales, je vous en ai cité quelques-uns. Il y a aussi le Brésil qui a une double capitale, une capitale économique et une capitale, euh, on va dire, euh, culturelle. Et il y a des capitales en ruines. Donc là, pareil, euh, c'est ce qui se visite le plus. Euh, vous regardez par exemple Rome, vous regardez Athènes, vous regardez une ville que je connais très très bien, euh, qui est Carthage, en Tunisie, qui sont... En on les garde avec les vestiges là pour certaines là je parle de Carthage avec les vestiges romains pour que ce soit uniquement visité mais c'est des ruines hein. ces, ces capitales non plus euh, non plus euh, non plus évolué au niveau euh, infrastructure et non pas ne se sont pas euh, agrandis ni au niveau, euh, on va dire, technologique, euh, financier, économique, ni au niveau euh, euh, de la population. Donc vous avez plein d'exemples de capitales comme ça, qui sont tout simplement en ruine. Il y a des capitales qui, qui ont fini par, par disparaître, qui sont véritablement euh, euh, en ruine. C'est juste, euh, il n'y a que les passionnés d'histoire et d'archéologie pour aller euh, y jeter un, un tour. C'est vraiment plaisant. Hein. Donc voilà, le but bien entendu de chaque gouvernant, c'est que sa nation, sa civilisation et particulièrement euh, sa capitale perdure jusqu'à l'infini parce que c'est un élément essentiel un, de n'importe quel déve développement, particulièrement économique d'avoir tout le temps des infrastructures modernes pour attirer les cerveaux, les capitaux, etc. Pour faire avancer la civilisation, en avance, en avance, on avance toujours avec cet espoir d'un jour conquérir euh, toutes les autres planètes, euh, avoir le secret absolu et, et euh, l'énergie euh, euh, illimitée, gratuite, euh, euh, l'état euh, de santé parfait euh, et puis si possible la fontaine de jouvence euh, et l'immortalité ça ça a toujours été le rêve de n'importe quel euh, être humain sur cette planète donc j'aimerais à ce moment là venir sur un en venir au détail des couleurs les couleurs sont extrêmement importantes malgré que vous n'y prêtiez pas attention voilà. Les, comme je vous ai expliqué hier il y a beaucoup de choses qui sont codées que ce soit dans les tout ce qui est euh, dérivé de la pensée humaine les tableaux il y a beaucoup de codage dans les tableaux les livres, les livres saints les, les manuscrits les poèmes il y a beaucoup de codage dedans encore une fois c'est des messages qui ont été transmis c'est pour ça que ça a beaucoup de valeur. Il y en a qui payent des fortunes pour les posséder. Il euh, y a des messages qui sont, euh, si on les met bout à bout, encore une fois dérangeants parce que ça démasque beaucoup de manipulations dans l'histoire. Et entre autres, celles que je, j'essaye je, de vous expliquer au travers de plusieurs lives. Qui est la même manipulation perpétuelle un jour arrive un prophète, s'ensuit l'Apocalypse, le jour du jugement dernier, et la civilisation s'éteint et on recommence ailleurs. Donc on va en venir à la couverture, donc la fameuse couverture qu'il faut absolument décoder de euh, The Economist. Pourquoi il faut la décoder Parce que il s'agit de les empêcher cette fois-ci, on n'a jamais, personne n'a jamais réussi à les empêcher de recommencer encore et encore, encore et encore. Et aujourd'hui, on a ça sous les yeux avec notre couverture, avec tous les, encore une fois... Tous les éléments que nous possédons, que ce soit les, les créations artistiques, les, les tableaux, les livres saints, les manuscrits, absolument tout, aujourd'hui, nous permet euh, d'anticiper ce qu'ils nous ont préparé. Donc, ici, euh, je vais vous révéler quelque chose. Ici. Euh, donc, vous avez remarqué, Trump qui est assis donc, sur la planète, le jour le jou, le du jugement, le hein, jugement s'écrit, qui arrive, à, on lui a promis la planète, à Trump, on lui a promis la planète, et le code, les codes couleurs sont extrêmement importants. Donc, nous pouvons. Considérer, donc ici nous voyons qu'il y a du jaune partout, que les jaunes ici, euh, donc c'est le peuple manipulé. Nous pouvons considérer que le jaune c'est la couleur de tous ceux qui sont manipulés et pilotés. Nous pouvons considérer que le rouge c'est la couleur des manipulateurs, de ceux qui jouent un faux jeu, les faux prophètes, pour faire simple, le système, le rouge c'est le système, et à partir de là, vous voyez que les deux clans qui sont en train, qui vont se battre, il y a donc, un, symboliquement, un qui est crucifié, il est jaune. D'accord En revanche, ils sont, malgré qu'ils soient dans deux camps qui s'affrontent, ils sont tous deux rouges. Donc, c'est une simulation de euh, d'opposition. Ensuite, vous allez me dire euh, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on termine. Parce que là, on est ici. Comment se fait-il euh, on a sauté cette étape là et là ce que je vais vous révéler est fondamental parce que tout indique regardez donc ça c'est très important cet aigle royal euh, représente beaucoup de choses et est commun à beaucoup de civilisations Alors, je vais essayer d'aller vite. Ça demande beaucoup de temps. L'avoir préparé, Alors, je vais regarder ici. Alors, regardez, cet aigle est représenté plein de fois ici, dans euh, l'économiste. Euh, il me semble, si je me trompe pas. Révélateur, comme toujours, de 1988. Si je ne me trompe pas, c'est 1988. On a donc une représentation d'un aigle, un aigle royal, et on a ce qui s'écrit 2018 ici. Hein, en 1988, ils pensaient que nous passerions à l'argent invisible déjà. Là, ils ont du retard, comme je vous ai dit, euh, sur leur plan. Vous voyez ce qui brûle en bas, c'est les billets de banque. Alors ce symbole, beaucoup y ont vu le symbole d'une monnaie, euh, d'une crypto-monnaie à l'image du Bitcoin. Euh, ce symbole veut dire plusieurs, plusieurs choses. Il veut phonétiquement dire E, comme E dans, dans Je, EU. EU, vous savez très bien, peut aussi dire Union européenne. Euh, il peut aussi dire euh, un ensemble vide ce qui correspond aussi à la euh, dématérialisation euh, donc de, de la monnaie et et du liquide et des, des billets de banque donc vous voyez c'était déjà en 1988 et ils se sont amusés même à prévoir la date 2018 sauf que ils ont du retard. Donc cet aigle, on le retrouve absolument dans des endroits que vous ne pouvez pas euh, soupçonner. Regardez où est-ce qu'on le trouve aussi. Le drapeau égyptien. Un aigle royal. On le trouve aussi sur les emblèmes allemands. Alors vous remarquez euh, les couleurs, là on est dans du jaune. Regardez, là c'est euh, aussi des économistes. Hein. Regardez ici, là l'aigle sur fond jaune, et là c'est un emblème allemand. Regardez ici, c'est trop blanc, à droite. Donc c'est l'Allemagne avec les, euh, les lauriers. Les lauriers, c'est très important. Je vais y venir. Et donc là, vous reconnaissez le symbole de la franc-maçonnerie, le symbole maçonnique. Alors, où est-ce qu'on trouve aussi l'aigle il est à plusieurs endroits. Euh, tiens, regardez. Donc le fameux emblème. Saut des États-Unis. Toujours cet aigle. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la couverture? Je reviens à la couverture. Voilà. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Regardez cet aigle. Il ne regarde pas du bon côté. D'accord Et c'est logique que si on veut inverser la couverture, bah, l'économiste nous a toujours habitués à l'inversement de ses couvertures. Eh bien, le secret est là. Quand on inverse la couverture, Voilà ce qui se passe. Tada là, on a un autre ordre des cartes. Et là, ça devient beaucoup plus logique. Voilà. Effectivement. Numéro 1, nous sommes là. Et ensuite, voilà ce qui nous attend. Jusqu'à la dernière carte, la mort. Avec... La fameuse Apocalypse. Donc nous sommes c'est pas éparpillé. Pour l'instant nous sommes ici. Ensuite, vous voyez les civilisations, la pyramide qui a beaucoup de significations civi de civilisations, mais aussi euh, de sociétés secrètes, la franc-maçonnerie. Ici le double euh, masque, double visage, pareil, société secrète franc-maçonnerie, les livres c'est les livres saints, euh, pareil tout ce qui est tableau, etc. Comme je vous ai dit, c'est tous les messages codés. Ensuite voilà, euh, Trump donc domine la planète. La guerre totale. les, les jaunes jeunes euh, manipulés avec un espoir c'est cette étoile filante ici bien entendu ils ont comme je vous ai dit euh, un peu trop tard sur leur plan beaucoup ont pensé que c'était euh, les élections présidentielles dans les différents pays européens il paraît, il apparaît aujourd'hui qu'il s'agit plutôt des élections européennes. Ensuite, ici, ça peut être euh, Macron qui vit dans une bulle, mais ceci aussi, on peut mettre euh, plein de chefs d'État à sa place. Mais Macron est central pour des économistes et Paris est, est, est primordial pour des économistes d'ailleurs Paris a été préservée de toutes les guerres elle n'a jamais été détruite par des encore une fois des accords, des, des miracles entre guillemets, le grand hasard habituel euh, Berlin fait partie des capitales qui, a, qui ont été comme Londres totalement euh, rasées aujourd'hui Berlin euh, est très moderne euh, c'est ce qui indique que euh, mon intuition me dit que euh, le pire est attendu malheureusement pour Paris. Après je vous ai expliqué cette carte longuement avec l'infini, le casque de réalité virtuelle, etc. Et voilà. Donc il va falloir échouer leur plan pour qu'on n'arrive pas à cette carte finale ni euh, au passage par celle-ci. Ici, nous avons la main c'est les élections européennes, nous pouvons faire échouer au moins ce plan-là. Merkel qui, euh, qui triomphe aux européennes, Le Pen qui triomphe, et même chose pour les Pays-Bas. Euh, alors ici, c'est intéressant de revenir aux messages qui sont portés. Et vous verrez que... Euh, c'est pas... Euh, un choix hasardeux. et sinon on va le chercher ensemble Revenons à une couverture dans le bon sens. Alors, ici TTIP. TTIP, c'est l'autre nom de ce que vous connaissez, vous avez entendu beaucoup parler. TAFTA, c'est le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement qui est en cours, toujours en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis. Donc pareil, là, ils ont pour l'instant un frein. Et l'autre message, donc c'est ici, alors ici, EU, c'est Union européenne, non pour non, stop pour stop et ici TPP. Là, c'est intéressant parce que là, c'est pareil, c'est comme le TTIP mais pour une autre région du globe. C'est l'accord de partenariat transpacifique mais en revanche, en revanche, ils ont gagné sur ce plan-là, c'est que le TPP a été signé le 4 février 2016. Il y a eu euh, un retour en arrière de certains pays ça a été modifié et ça a été s'est passé en force, ça a été signé donc le 4 février 2016. Euh, pour l'anecdote, euh, deux pays notables qui ont voulu faire marche arrière, euh, qui ont finalement euh, ont accepté, forcé de le signer, mais euh, mais modifié, on peut euh, sur les deux pays il y a un, une certaine nouvelle zélande. Quand on voit euh, ce qui est arrivé euh, récemment en Nouvelle-Zélande. Alors, ensuite, je vais euh, donc revenir sur cette carte. On va aller tout simplement voir euh, ce que l'ésotérisme nous dit sur ce type de carte donc là comme je vous ai dit ça va se terminer comme d'habitude un, un agent du système info euh, gilet jaune va finir euh, crucifié parce qu'il se sera sacrifié pour le peuple et euh, va à un certain moment euh, disparaître comme sont disparus plein d'autres, euh, le plus célèbre desquels, euh, Jésus. Alors, on va mettre cette carte. Regardez bien cette carte, c'est à quelques nuances près cette carte qui a des significations que je vais vous donner. Vous avez vu Et donc cette carte, euh, contrairement donc à l'économiste, ne s'appelle pas The Tower. Mais ça s'appelle la maison de Dieu. Et qui est une carte très très ancienne avec une signification très très ancienne. Alors, je vais vous lire ce que ça signifie. Alors, il y a deux significations. Hein. Le chiffre 2, très important. Il y a un sens négatif et un sens positif. Hein. Souvent, quand on, on vous lit les cartes euh, ou quand vous regardez euh, l'horoscope, il y a toujours le bien et le mal. Alors, le sens négatif, c'est la lame la plus terrible du jeu. Elle marque la fin, la destruction, l'irréparable, le point de non-retour. Toutes les catastrophes sont possibles. La chute, la défaite, les souffrances les plus horribles tout peut arriver il peut aussi s'agir d'une destruction lente mais méthodique de l'âme et du corps quoi qu'il fasse le consultant est impuissant et ne peut que subir ce qui lui arrive piège rancune hostilité conflit désaccords mauvaise surprise vous voyez que ça colle parfaitement à la situation. Alors là, je vais vous lire le sens positif. Cet arcane est, si... Cet arcane est synonyme de transformation, de renouvellement, de changement. La Maison-Dieu est la carte de la crise salutaire, de la rupture, mais aussi des prises de conscience et de la soudaineté. Rencontre soudaine et inattendue qui n'apporte que du positif déménagement changement de lieu d'espace vous voyez que là aussi euh, on est en plein dedans dans ce que la présentation que je vous ai faite tout à l'heure les déplacements euh... voilà pour cette carte donc Et encore une fois, pour l'instant, nous sommes à cette carte-là. Le code couleur, je reviens dessus, est très important. Comme je vous ai dit, on peut euh, se dire que le rouge, c'est le système. Le jaune, c'est le peuple manipulé. Et euh, regardez ici, qui guide les, les jaunes C'est un rouge avec une espèce de lumière jaune. C'est un rouge qui, qui les guide. Ici, vous voyez, il y a du rouge, mais pas que. Le blanc est une couleur qui a toujours euh, été euh, positive symbolise la paix mais plein d'autres choses euh, pour vous donner un, un, un exemple donc de la codification des couleurs et là je vous invite parce que moi je ne pourrais pas le faire là je vous invite à revisiter donc si vous voulez approfondir tous les drapeaux de tous les pays il y a des significations derrière tous les drapeaux et euh, ça va beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Par exemple, pour revenir sur le drapeau égyptien, eh bien, d'après encore une fois la version officielle, euh, le jaune, bon, on peut supposer que c'est par rapport à l'or. La civilisation égyptienne était euh, très attaché à l'or. Euh, par contre, donc officiellement, on dit que le rouge euh, c'est par rapport au coup d'État et le blanc c'est par rapport à la non-violence du coup d'État. Le, le noir c'est les armées d'oppression. Donc, on peut trouver après, euh, si vous faites le lien, vous pouvez trouver euh, les mêmes couleurs euh, sur beaucoup de drapeaux, mais pas sur d'autres. Vous pouvez lier, vous pouvez aisément lier des civilisations. Euh, par exemple, le drapeau français, il y a du rouge et du blanc. De la même manière sur le drapeau tunisien. Euh, il y a aussi euh, du blanc sur le drapeau algérien. Il y a euh, du rouge et du blanc sur le drapeau américain et euh, aussi sur le drapeau anglais. Euh, maintenant si on va sur une nouvelle couleur, le jaune, euh, on peut trouver du jaune euh, sur le drapeau allemand belge on peut trouver un tout petit peu euh, on, on trouve du jaune sur le drapeau égyptien euh, mais aussi euh, sur d'autres drapeaux euh, on va dire de manière plus plus fine comme sur le drapeau euh, marocain euh, pareil pour la couleur verte vous en trouvez sur certains drapeaux. Euh, vous avez euh, du vert sur le drapeau italien. Vous avez du vert sur euh, d'anciennes colonies. Vous avez du vert sur le drapeau euh, saoudien. Et ainsi de suite. Il y a des significations aux couleurs. Il y a des codifications. Euh, D'après moi, c'est des codifications de civilisation plus que... Ce qu'on nous présente, le, le rouge c'est le sang, le blanc c'est la paix, etc. Euh, alors les emblèmes, ensuite sur les, les emblèmes sur les drapeaux, c'est criant, comme je vous ai démontré, l'aigle royal, euh, ça c'est pas, pas le hasard. Alors. Vous regardez les drapeaux des pays africains, vous verrez qu'il y a beaucoup de ces couleurs là-dessus. Le jaune aussi, hein. il y a d'anciennes colonies belges, et voilà ce que je voulais vous montrer. Donc je vous ai parlé de l'Italie, du vert. Eh bien, regardez... C'est simple. Le drapeau euh, libyen, qui est une très ancienne colonie euh, italienne. Là, ils n'ont pas voulu se prendre la tête. Voilà, le drapeau officiel, c'est juste un carré vert. Enfin un carré, un rectangle vert. Donc, si vous suivez, si vous décodez les drapeaux, qui est un travail très fastidieux, vous pouvez voir beaucoup de civilisations et beaucoup de métissages de plusieurs civilisations. Et qui, encore une fois, je vous ai dit, c'est de manière invisible parce que c'est des gens qui ne s'exposent pas. Ils ont compris l'intérêt de garder l'anonymat pour éviter les emmerdes, pour euh, surtout éviter les emmerdes. Euh, pour pas euh, pas s'exposer euh, pour pouvoir souffler c'est je veux c'est le, le pouvoir absolu le pouvoir de dieu être invisible et avoir le véritable pouvoir alors que le peuple ne regarde que la partie visible c'est-à-dire les pantins qui sont élus qui sont nommés dans dans les entreprises les ministères etc c'est euh, c'est une suite logique de n'importe quelle civilisation. alors, est-ce que je voulais vous parler? ah oui, je vais vous parler. on va, on va, il y a beaucoup de, beaucoup de choses encore à dire. tiens, je vais vous parler donc des affrontements euh, pour revenir à la carte d'affrontement. Alors, où est-ce qu'elle est, qu elle, est Elle est là. Euh, ce qu'on peut voir derrière les deux blocs qu'on nous prépare. Donc, les deux blocs. Alors, ici, on peut tout imaginer. Hein. On peut imaginer euh, euh, la tour de euh, l'ancienne civilisation la tour de Babel, on peut imaginer de façon générale une civilisation. Euh, il y a quand même une croix ici, donc on sait que c'est le monde et la civilisation occidentale. Et on sait que généralement les civilisations ont à peu près une durée de d'à peu près ce que là où nous en sommes aujourd'hui, de 2000 ans, de deux millénaires. Ici on peut imaginer que c'est euh, les droits de l'homme. Donc on sait que nous sommes euh, directement et premièrement euh, concernés alors les les comploteurs de tous les temps et encore une fois euh, c'est un complot des comploteurs de faire croire que les comploteurs sont juifs. Euh, c'est un grand complot, hein, le fait de faire croire que les comploteurs, c'est à la base des juifs. C'est un, un de leurs complots. C'est de la même manière de faire croire que les terroristes, c'est les musulmans, que c'est écrit dans le Coran ou je ne sais quelle euh, doctrine euh, de l'islam officielle, ou de dire que la pédophilie, c'est un rituel catholique, que c'est. Euh, ça fait partie intégrante de, de l'Église euh, et de la religion euh, chrétienne, c'est les mêmes comploteurs hein, qui, ont, qui mettent ces idées-là dans, dans les esprits, particulièrement parce qu'ils craignent bien entendu les croyants, parce que euh, ce sont ceux qui vont être le, les plus proches de la vérité le jour où ils fabriqueront leur Apocalypse. Euh, et pour vous éloigner, éloigner de manière générale tout le monde de la vérité, parce que tout le monde tombe par terre de rire dès qu'il entend un discours religieux ou des explications du type que je suis en train de vous donner. Euh, donc les comploteurs qui ne sont pas juifs euh, ont de tous les temps euh, successive, successivement montés. Euh, plusieurs blocs les uns contre les autres. Les deux blocs étant, bien entendu, vous voyez bien, ils sont rouges. Les deux blocs étant le système. Donc on a vu le bloc communiste euh, d'un côté, euh, le bloc soviétique. On a vu le de l'autre côté le bloc des Alliés le bloc de l'OTAN. On a aussi aussi eu le bloc oriental et le, de l'autre côté le bloc occidental. On a eu euh, les orthodoxes les protestants et de l'autre côté les juifs les chrétiens. Euh, les musulmans ont de façon générale observé une neutralité voire voire un rôle actif euh, qui a été plutôt du côté de l'OTAN, de l'Occident. On sait l'intervention de l'Afrique et du bloc musulman pour aider à la libération de la France et, et donc à abattre euh, l'armée allemande. Et Hitler, sauf qu'aujourd'hui euh, beaucoup de choses ont changé depuis. Il y a eu beaucoup d'événements depuis. Il y a eu beaucoup de basculements. C'est indéniable. Euh, et aujourd'hui, euh, dans le futur conflit, il est évident que euh, les musulmans, de façon générale, ne se rangeront pas du même côté précédent, parce que euh, ils ne peuvent constater que ils se sont fait avoir par l'empire américain et donc là euh, on va observer un basculement du monde musulman côté bloc communiste bloc soviétique bloc communiste aujourd'hui qui est représenté par deux euh, forces de superpuissance la russie et la chine la chine il est très probable que la Chine cette fois-ci euh, ne, re ne restera pas dans un rôle euh, de spectatrice. Mais la Chine du euh, côté stratégie, c'est les plus avancés en stratégie. Euh, Mao, on a fait, euh, on a fait presque une religion. Euh, ils adoptent la meilleure stratégie. C'est à chaque fois. Euh, de ne pas de ne pas se laisser entraîner de ne pas euh, se laisser euh, provoquer ils laissent faire d'autres civilisations réagissent immédiatement euh, aux, aux attentats sous faux drapeaux et partent tout de suite en guerre sans réfléchir à euh, qui a fait quoi et est-ce qu'il n'y a pas euh, un complot derrière. C'est ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale et on peut dire euh, presque toutes les guerres. Hein. Euh, donc là, ça se passe bien jusqu'à présent parce que il faut un ennemi commun à tout le monde et donc euh, là, tout le monde a pris euh, part dans le euh, dans les, la guerre contre Daesh euh, y compris ceux qui l'ont créé et qui <laughs> et l'ont mis sur pied donc là bon bah, on n'a pas vu euh, on a pas vu l'apocalypse parce que vu que tout le monde euh, s'est trouvé un, un ennemi commun euh, mais ceci justement ne va pas euh, ne va pas durer Alors, des problèmes, les problèmes, il, les problèmes, il y en a. Il faut les résoudre, mais pas, à mon avis, pas de la manière dont euh, nos civilisations successives essayent de les résoudre, c'est-à-dire avec, euh, encore une fois, des, des guerres totales, des apocalypses, euh, des, euh, des événements. Spectaculaire avec des, des prophètes et des, des, on va dire, de la magie, des miracles, etc. Euh, Aujourd'hui, on peut euh, s'organiser avec Internet, etc., pour continuer, si jamais on avait affaire à une manipulation euh, de nos esprits pour reproduire une apocalypse avec ce qui pourrait être le jour du jugement dernier et puis une guerre totale etc on pourrait euh, les démasquer euh, sauf que euh, nous euh, le peuple nous avons avancé euh, technologiquement et dans notre pensée et grâce à internet et grâce à beaucoup d'évolution de la société et euh, eux aussi et nous ne savons pas où est-ce qu'ils en sont. Il, est, euh, il y a toutes les raisons de croire qu'il y a beaucoup de choses qui nous cachent, sinon euh, il ne prendrait pas la décision euh, de, euh, de mettre fin à cette civilisation occ occidentale. Euh, il est fort à parier qu'il y a des découvertes euh, au-delà de la Terre. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que ça a toujours été une raison fondamentale pour les changements de civilisation et pour les histoires, encore une fois, d'Apocalypse. Sur quoi je me base pour vous dire ça Je vais vous montrer quelque chose, si vous ne connaissez pas, d'extrêmement troublant. On va regarder donc les lauriers. Alors, ça existait euh, dans toutes les civilisations la couronne de laurier. Alors j'avais noté la signification. Voilà, la couronne de laurier, donc c'est le symbole de victoire, le symbole de victoire, de génie et d'immortalité. Alors cette couronne qui a été mise sur plein de têtes et euh, qu'on voit aujourd'hui dans, dans plein d'emblèmes. Regardez, ça c'est une... une représentation officielle hein. euh... de mille ans d'histoire donc avant euh, jésus christ et euh, 2000 ans de notre histoire donc 5000 ans si on veut simplifier voilà ça fait ça donc toute cette période est considérée comme étant l'antiquité pendant 3000 ans donc dans laquelle il y a eu les civilisations que je vous ai citées égyptienne euh, euh, grecque romaine jusqu'à ici la romaine 476 on se réfère à la signature d'un papier officiel ensuite donc 476 Jusqu'à 1492 c'est le Moyen Âge, l'époque moderne, et euh, là où nous sommes, l'époque contemporaine. Euh, regardez, les dates euh, ont beaucoup de signification. Donc on peut considérer qu'à chaque fois il y a eu des mutations de civilisation ou des euh, on va dire des, des éléments fondamentaux euh, dans notre civil civilisation. Des, des mutations cruciales de notre civilisation. Euh, ici, ça correspond à la pseudo-découverte des Amériques. Christophe Colomb, ce, ce barbare qui est parti euh, euh, faire le sauvage face à des populations qui, euh, qui étaient pourtant pacifiques, qui n'ont pas essayé de conquérir le monde. Et ici, vous reconnaissez très bien euh, la date de la Révolution française. Donc, vous voyez bien que à chaque fois, euh, la France n'est pas une île isolée. À chaque fois qu'il y a des événements majeurs en France, cela euh, a des répercussions euh, bien au-delà de nos frontières. C'est des, euh, des mouvements civilis civilisationnels. Euh, et alors, par rapport à l'extension, à chaque fois, comme je vous ai dit, une civilisation euh, s'efface, soi-disant, euh, sous l'impulsion de d'agrandir donc son territoire euh, ce que je voulais vous montrer c'est l'élément troublant c'est ça bon où est-ce que je l'ai mis non c'est pas là alors où est-ce que j'ai mis ça Alors voilà, regardez euh, ce qu'a été l'emblème de l'Empire euh, romain. Vous voyez la couronne de laurier et euh, pour eux, euh, c'est ce qu'ils avaient conquis. et pour tout le monde, c'était le monde. le monde était là. la planète terre était là. Donc vous reconnaissez une partie de l'europe, toujours bien entendu, euh, le bassin méditerranéen, plus l'angleterre ici. plus la Terre sainte plus l'Egypte voyez le monde pour eux c'est ce que vous voyez ici d'accord après il y a eu ce que vous savez des euh, empires euh, déchus de nouveaux empires et regardez, fixez bien la couronne de laurier, regardez bien. Et croyez-moi, ça ce n'est pas le hasard. Vous avez vu? L'Empire s'est agrandi. L'Empire. Euh, a découvert de nouvelles terres. Alors, beaucoup y voient dans cette représentation d'abord euh, le fait que ça, ça expliquerait que la Terre soit plate. Euh, ça, je ne sais pas. En revanche, en revanche ce que je sais, c'est que euh, c'est une transition après ça. Donc à chaque fois qu'il a été décidé que euh, le monde pouvait s'agrandir pour nous, il y a eu donc les transformations majeures que nous connaissons, que vous connaissez, que l'histoire décrit avec des événements climatiques spectaculaires, extrêmes et euh, un renouvellement, une remise à zéro totale. C'est pourquoi je vous ai dit euh, qu'il y a fort à parier qu'ils vont nous faire, qu'on va avoir des révélations. Alors je ne sais pas si une fois qu'ils nous ont tous euh, zigouillés avant ou après, euh, mais il est fort à parier que, euh, ils ont compris que ce monde était devenu trop petit pour nous. Et que euh, et que voilà ils ont préparé euh, une carte plus grande peut-être en rapport avec l'exploration d'autres planètes euh, je n'en sais rien Voilà. Bon, il ne reste pas grand chose à faire, sauf à, encore une fois, tant qu'ils ne nous donnent pas d'explication, à faire échouer leur plan. Euh, les chemtrails, euh, c'est évident que c'est pas naturel et que ça suivait un certain planning, un certain plan en rapport avec ce qu'ils nous préparent. Là, euh, ça fait plus d'une semaine que ça s'est arrêté tous les jours. Tous les jours, j'enregistre et j'observe. Ça s'est vraiment, vraiment arrêté. Euh, donc, c'est un signe positif. On voit différentes arrestations, particulièrement euh, pour des viols ou de la pédophilie, qui se succèdent. Qui ça faisait longtemps qu'on qu attendait un sursaut. Euh, on voit que euh, Bernard Tapie ne bénéficie plus de cette euh, immunité euh, euh, qu'il a obtenue euh, sous Sarkozy. Donc tout ceci, pour moi, va dans le bon sens, tout ceci est positif. Euh, on voit qu'ils ont beaucoup de retard sur leur plan, tout ceci est positif. Euh, J'avais oublié, euh, pour finir sur l'histoire des lauriers, alors vous en trouvez partout, hein. mais je vous avais montré euh, la cette photo tout à l'heure, qui est inquiétante et c'est pourquoi il faut absolument faire échouer leur plan euh, donc vous voyez ici euh, l'emblème maçonnique avec donc le drapeau allemand le fond rouge et euh, la couronne de laurier et l'emblème maçonnique sont jaunes vous voyez la couronne de laurier Et croyez-moi, avec ces gens-là, il n'y a pas de hasard. Bon, ça fait, euh, je ne sais pas depuis combien de temps, je suis en train. 1h40. Voilà, comme ça, tout n'a pas été dit, bien entendu, parce qu'il faut euh, revenir sur les drapeaux, sur beaucoup d'éléments, sur les autres couvertures de The Economist. Euh, il y a une date importante qui est le 2 mai. Ce sera euh, donc là, on parle de la dernière couverture, celle qui, qui code beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages euh, et qui est fondamentale parce que c'est la 33e. On sait que euh, c'est important la numérologie pour eux et que le chiffre 33 est très important pour eux voilà cette couverture là donc le code couleur est important vous voyez bien que cette couverture n'est pas tout à fait jaune euh, elle est elle a une, la couleur la couleur tout simplement de la terre la couleur euh, du sable on sait que le la couleur de l'argile on sait que l'argile euh, est fondamentale euh, pour toute euh, toute vie terrestre et on dit l'homme vient de l'argile avec bien entendu avec de de l'énergie une combinaison d'argile et d'énergie alors il y a beaucoup de messages qui sont codés et euh, en premier desquels euh, donc ce euh, cet homme de, de Vitruve qui serait l'homme parfait qu'on trouve alors je sais pas si j'en ai une sur moi qu'on trouve sur aussi sur les pièces de 1 euro tiens j'en ai une là je vous la mets donc euh, c'est pas un jeu parce que ces gens là y euh, croient vraiment voyez vous pouvez regarder vos pièces donc c'est c'est leonardo da Vinci qui est derrière leonardo da Vinci Leonardo da Vinci, qui est un personnage absolument exceptionnel, qui était parfait sur tous les plans, qui a donné beaucoup de prophéties et énormément d'inventions. Euh, voilà, c'est un des mystères de l'histoire, Leonardo da Vinci. Euh, et donc, là, on lui a mis des lunettes. Que je, ce qui pourrait être par rapport euh, aux gilets jaunes, les lunettes de piscine pour se protéger, ça peut avoir une autre signification. Euh, alors il y a plein de messages codés, là je ne vais pas me lancer dedans parce qu'il y a tellement à dire, mais euh, on peut voir qu'il y a des, 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 des dates qu'on peut retenir. Par exemple, les 500 ans, le demi millénaire. Donc, de Leonardo da Vinci sera fêté le 2 mai 2019. C'est pour ça que cette date est importante, le 2 mai 2019. De la même manière, il faudra surveiller les élections en Afrique du Sud. C'est ce que vous voyez donc en bas avec cette urne et c'est le drapeau de l'Afrique du Sud déjà ça fait euh, deux événements à surveiller mais pas que il y a, euh, il y a plein d'autres voilà on va s'arrêter là chers amis je vais vous dire au revoir euh, comme ça cette partie elle est faite euh, alors avant de alors avant de vous saluer, il y a effectivement des problèmes qu'on ne peut pas nier. Euh, on ne peut pas nier qu'il y a un, un problème fondamental de surpopulation. Euh, et donc, euh, il y a beaucoup de euh, vétusté. On ne peut pas le nier. Il y a de la corruption totale. On ne peut pas le nier. Euh, une, une inhumanité euh, devenue euh, contaminante. Euh, notre esclavagisme perpétuel et euh, les maladies à non plus finir, aussi bien, aussi bien contre les êtres vivants que euh, les maladies de la planète. Donc, effectivement, il faut euh, une transition et une transition majeure. Mais euh, comment faire confiance à ces gens-là Ils n'ont jamais réussi par le passé, par de, de part des millénaires, ils n'ont jamais réussi à le fabriquer, ce monde parfait, ce paradis. Pourquoi nous devons leur faire confiance aujourd'hui Moi, je dis, euh, nous devons, nous exigeons, nous exigeons d'être mis au courant sur tout et de réfléchir tous ensemble à la manière, meilleure manière de procéder. L'idée d'avoir de l'argent invisible n'est pas mauvaise encore une fois ça dépend de qui va être tout en haut de la pyramide pour euh, décider euh, de l'usage qui va euh, en être fait l'idée de l'argent invisible n'est pas mauvaise ça permettra d'avoir un contrôle total de, de faire disparaître tout ce qui est évasion fiscale, paradis fiscaux, tout ce qui est euh, blanchiment d'argent, euh, trafic, trafic de drogue, trafic d'êtres humains. Euh, ça permettra de contrôler et calmer euh, la prostitution. Ça permettra des, effectivement des avancées euh, phénoménales de ce point de vue-là. Euh, je, je, on pourra diminuer de façon drastique la, la criminalité si on imagine toutes les mamies qui ne se feront plus euh, agresser euh, pour, pour quelques billets de banque euh, etc etc les euh, les points positifs sont sont absolument phénoménaux voilà le point négatif c'est que euh, si jamais on tombe comme on est actuellement euh, dans les mains d'une tyrannie planétaire et eh bien avec de l'argent invisible il n'y aura plus aucune chance absolument zéro chance pour euh, pour faire la moindre petite révolte je vous parle même pas de révolution mais la moindre petite protestation parce que tout simplement dès qu'il y aura une personne qui protestera on, 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 la, on la désactivera en désactivant tous ses moyens de, de, de survie tout simplement et cette personne vous voyez le regardez dans le, autour de vous comment nous vivons aujourd'hui aujourd'hui une personne qui se retrouve du jour au lendemain euh, isolée euh, pourchassée euh, étranglée par le système ne pourra obtenir euh, que votre compassion n'obtiendra aucune aide de votre part parce que vous avez peur pour vous-même et pour votre famille, voire dans certains cas, <coughs> elle n'obtiendra même pas de compassion, euh, elle ramassera uniquement les, les moqueries. Donc voilà, c'est effectivement ce côté-là est très effrayant, euh, mais voilà, il faut. Il faut prendre notre destin en main, tous les peuples ensemble, et euh, tout n'est pas à jeter. Dans cette transition, tout n'est pas euh, mauvais, tout n'est pas à jeter. Mais si euh, nous avons le contrôle, alors euh, nous pouvons éviter le pire. Donc, concernant l'Union européenne, Soyons solidaires avec le peuple anglais qui vous l'avez compris va se faire massacrer euh, financièrement par la par la, le système financier euh, mondial pour les punir d'avoir levé la tête et d'avoir osé euh, donner la réponse qui n'était pas attendue euh, à leur référendum. Euh, donc voilà, là, soit on arrive à prendre le contrôle de l'Europe et à en faire quelque chose de bien, soit il faudra euh, une sortie, euh, euh, on va dire, euh, de plusieurs pays en même temps pour éviter que euh, qu'on s'en prenne. Euh, aux quelques pays courageux qui décident de quitter l'Europe. Si plusieurs pays, si la majorité des pays, euh, voilà le mot simultanément, je cherchais tout à l'heure, si une, un grand nombre de pays euh, décidaient de faire leur exit, de faire leur sortie simultanément, alors nous serons plus forts et nous ne pourrons pas nous attaquer tous. En revanche, aujourd'hui, euh, le pauvre peuple allemand est seul, euh, donc face à cette Europe qui veut le punir, plus euh, l'empire américain qui veut le punir. Euh, donc voilà, c'est leur position est extrêmement délicate et euh, euh, Theresa May, comme je vous ai dit, elle peut, il y a une double possibilité, elle peut soit être euh, donc euh, agent du système en train parce que c'est pas encore le signal n'est pas encore donné pour, pour que le, le, le plan de l'apocalypse financière arrive euh, soit elle retient parce qu'on lui demande de retenir soit c'est une héroïne et on a nous avons eu dans l'histoire euh, Margaret Thatcher et d'autres personnages féminins qu'on a Margaret Thatcher qu'on a appelé euh, la dame de fer ils, voilà, ils c'est pas pour rien qu'ils ont une reine. Donc, euh, Theresa May, soit elle joue le rôle de cette femme euh, dame de fer providentielle, etc., le, ce qui a toujours été euh, le cas en Angleterre, soit c'est effectivement euh, une reine, c'est effectivement une héroïne qui est en train de se battre tous les jours pour éviter à son peuple de se faire isoler et massacrer. Euh, allez. Je ne pourrai pas vous saluer tous, donc je vais vite traverser les réseaux. Euh, Marianne, France sur VK, bonne nuit. Did Muslim sur VK, bonne nuit. Francis Ch sur VK bonne nuit. Euh, alors ça c'est pour le réseau VK. Ah bah tiens on a euh, dans ton sur Twitter bonsoir et bonne nuit. Pas Twitter Twitch sur la plateforme de jeux vidéo Twitch. Et donc après euh, bonne nuit à tous les amis de D'abord il y a un ami chrysalette sur mon compte de secours YouTube. Euh, bonne nuit. Eh bien, vive la France. Bien à toi aussi mon cher ami. Tu avais fini sur ces, cette belle phrase. Je précise, parce que à chaque fois j'oublie de dire tout, je précise que la République... Euh, existait la, la forme république euh, sous plein d'empires. Hein. Sous l'empire romain, on parlait aussi de république. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Alors, bonne nuit à Simon Boucher, Asia Marie, euh, Joachim Jérôme Lario, Frank Chase, euh, Moaz Nahali. Euh, voilà les amis de Facebook, Chrysalide, euh, Ginette, euh, Magali, Olga. Super les amis, ça fait un sacré long vidéo quand même. Hein. Allez, bonne nuit les amis, et on se retrouve euh, demain soir qui est ce soir parce que là il est minuit 16 on se retrouve ce soir pour un live comme d'habitude donc si je peux pas faire un live déjà je pense avoir développé beaucoup je vous ferai juste un coucou ça me permettra aussi de me reposer bonne nuit les amis